Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une voiture que j'aurais dû présenter depuis longtemps, une Lambretta Bretta de 1976. Voiture sans permis. C'est un 120, non, 50 cm3, mais il a existé en 125. Ça, je ne sais pas du tout à quoi sert la pédale de souffle. Pourquoi t'as posé la question? J'ai jamais su à quoi ça servait. Donc, arrêtez de perdre mon moment. Et elle fait la brique. Donc, oui. Mais c'est pas perforé. Assez rare parce que faut se dire aussi que cette voiture a été aussi utilisée sous la licence Ligier parce qu'en 1967 Lambretta a été arrêtée depuis quelques années, du coup lui il l'avait appelée la Lambretta et il est même au fil des années sous Ligier. Donc celle-ci, c'est la Lambretta Bretta et elle est en 4 roues et elle existait aussi en 3 roues. Donc voilà, petite présentation. Véhicule hors norme qui est pas commun. Elle est assez petite, hein. Qui fait 1m80, la voiture m'arrive... arrive à là, hein. Donc, environ 1m50, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez cette voiture. Bon allez, moi je vous laisse, à plus.